Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympathique, je pense, sur Skyrim. Donc c'est développé par Bethesda, je suppose que vous connaissez quand même un peu. Donc il y a déjà pas mal de vidéos sur Skyrim et j'espère que je vais pouvoir vous fournir aussi mon point de vue sur le jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé, où est-ce que je me suis arrêté. Donc là il faut savoir que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, ça doit faire... Bah attendez, on va regarder la sauvegarde. Le 6-6-2012. Donc oui, ça fait 5 mois. Eh oui, 5 mois, donc ça fait pas mal de temps. Donc je me souviens plus du tout où j'étais. Donc sanctuaire d'aube étoile. Et bah, ah oui, le sanctuaire d'aube étoile, c'est le sanctuaire des assassins. Donc je suis niveau 40, je suis un rouge garde. Mes spécialisations, je vous en parlerai après, mais mes principales armes, c'est arme à une main. Et pas trop de bouclier, plutôt arme à une main ou deux armes à une main. Il est pas beau ce bélier là, ou je sais pas trop quoi. Donc je n'ai pas le DLC de Skyrim qui est sorti. Downguard, c'est un DLC où il y a les vampires et tout ça qui sont améliorés, et je sais pas trop quoi. Non, je l'ai pas téléchargé. Je n'ai pas non plus celui. Hearthfire, je crois, c'est celui où vous pouvez construire votre propre maison, la personnaliser et tout ça. Je l'ai pas. C'est bizarre le chargement, mais pas mal de temps. Ah, bah voilà. Donc voilà, donc j'étais. Donc ça, il faut savoir, c'est un sanctuaire qu'on a. Qu'on peut acheter en aube étoile. Donc. Non. Si. Bon, on va sortir de cette pièce. Donc là, j'ai une dague. Bah attendez, je vais Les vous nouveaux montrer mon initiés mec. s'en sortent bien. Ils s'intéressent. Oui, non mais attends, je vais vous montrer mon mec. Pas peur de Ah ouais, prendre donc la ça, main. c'est un putain de truc de malade de la confrérie noire. Alors, comment est-ce que je fais déjà? Non, c'est pas comme ça. Start. Non. Non plus. Ah, voilà. Alors, objet. Donc, en objet favori, donc j'ai une dague elfique d'Anathème avec un petit enchantement dessus. Donc c'est pour récupérer l'âme de la cible, donc de la cible qu'on tue. Donc c'est-à-dire que ça se met dans une gemme spirituelle et ça nous permet ensuite de faire d'autres enchantements plus ou moins puissantes, dépendant de la gemme. Ensuite, j'ai une âme, une hache d'ébonite légendaire. Parasortis, qui est un des boucliers qu'on obtient grâce à un demi-dieu des draps, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Non, un dieu des draps, peut-être. Bon, j'ai plein de potions. J'ai Vutrat, donc c'est. Elle me fait bien marrer cette hache d'ailleurs. C'est une. L'hache du. Bon, je m'en souviens plus. Ça, c'est un masque. Un masque d'un. Ouais. J'ai mon arc, bon, des flèches d'ébonite et tout ça. Ah oui, maintenant c'est vrai, avec la nouvelle mise à jour, on peut faire des flèches. Comme tenue, j'ai l'amulette de Goldur qu'on a suite à la quête de Goldur, où il faut rassembler plein de morceaux d'une amulette et à la fin on obtient celle-là qui est totalement cheatée, si je puis me permettre. Ça augmente votre santé, votre magie et votre victoire de 30 points. L'amulette de Mara, bon, ça n'allait pas équipée. Un anneau d'or et de diamant avec un petit enchantement dessus. Armure du loup légendaire. Je mets celle-là parce que je la trouve belle. Voilà, je la mets pas parce qu'elle est. Bon, elle est pas très très puissante, mais je la mets pas. Ensuite, j'ai les bottes Pendragon qui sont pas très très jolies non plus. Il faut l'avouer, il y a du stuff beaucoup plus beau dans Skyrim. Le casque Pendragon, par contre, que j'aime bien, lui. Comparé à. J'ai eu plein d'avis sur. Que j'ai vu, lu. Sur l'armure. L'armure de dragon qui est pas très 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 belle. Les gantelets dragon. Parasortis, encore une fois. Voilà. Donc, je vais vous faire. Vu que cette vidéo durera que 20 minutes, je pense. Tant de Enfin, que 20 minutes. contrats Vous et si l'interprétez peu de temps. comme vous voulez. Je vais essayer de vous faire visiter. Plus ou moins un peu du sky, un peu de Skyrim, c'est-à-dire montrer différents points de vue, tout ça.
Waouh, la main. Alors, par contre, ah, mais j'ai vu la sortie tout à l'heure. Il fallait aller là-bas. Comment on fait pour courir déjà? Ah, oui, donc on a la première personne, donc. Et la troisième personne. Encore 30 chargements, j'espère qu'il sera moins long quand même. Donc dans Skyrim, je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas très très bien, il y a plusieurs races. Donc ça c'est la race argonienne. C'est des lézards, ils sont particulièrement forts en magie, si je me souviens bien, comme les bretons, qui sont une race humaine particulièrement forte en magie. Les rougegardes, c'est-à-dire ma race, en gros c'est les blacks, hein. Pour pas, enfin, je suis pas méchant, mais oui, c'est les Blacks. En gros, ils ont fait une autre race pour eux. Eux, ils sont particulièrement forts à l'arme à une main. Là, on se trouve à Aube Étoile, donc c'est une des villes de Skyrim. C'est pas la plus belle, hein, c'est enneigé, c'est pas très très beau. D'ailleurs, on va peut-être se télétransporter vers une autre ville et je couperai peut-être le temps de chargement. Donc voilà, on va voir si on peut faire une petite quête. Visiter cet endroit. Bâton de Magnus. Longue vie à la confrérie noire. Contrat, tuer Essine. Bon, on va faire ça. Fragment du passé. Je sais pas ce que c'est ça. Tous les moyens sont bons. Divers. Bon, on va peut-être quelques divers. On va faire le contrat. Je vous connais. Non, non, tu me connais pas. Ah, je vais vous montrer un petit truc sympathique par contre. Ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé comment on court. C'est le coffre caché à Aube Étoile. Avant qu'on parte de cet endroit. Donc, il y a un coffre caché. Donc, pour ceux qui jouent à Skyrim, je vous inviterai à aller voir si jamais vous connaissez pas cette astuce. Donc, il se trouve. Quelque part. Ah, voilà. Donc, il se trouve à droite du caillou, juste en face de moi, ou dans le caillou. Comme vous l'interprétez. Donc attendez, on va essayer. Ah, voilà. Chercher coffre. Et voilà, on a effectivement un coffre où on trouve plein de différents trucs. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre des crochets. Gemme spirituelle, faut tout prendre. Tout prendre à chaque fois parce que c'est pas très lourd. Et puis ça permet de faire plein de trucs. Gemme spirituelle magistrale. Gemme spirituelle supérieure, minerai de fer, or, les pots on va skipper, poison, potion de soin, saphir, skooma, c'est la drogue de Skyrim. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les chats, la race des chats, je sais plus comment ça s'appelle, qui font cette drogue et tout ça, c'est marrant. Ébonite raffinée, tiens, ça c'est pas mal par contre. Bon, il y a plein de trucs inutiles. Armure de destruction majeure. Bon, ça peut être marrant, mais on va pas la prendre. Alors, et ben voilà, donc je vous ai montré ça. Et écoutez, bah on va aller à un autre endroit. Comment on fait déjà? La carte B. Voilà. Carte. Et donc on se retrouve tout de suite. Je vais d'abord vous dire où on va aller. Donc la carte est super 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 grande. J'en ai visité une grande partie. On n'a qu'à aller à Solitude, qui est la capitale de Bord de Ciel, c'est-à-dire le pays où on se trouve. Donc Solitude qui se trouve ici. Voilà. Et bah à tout de suite les amis. Voilà. Et donc on reprend. Oh. Très 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 joli ça, la lune. Vous avez entendu la nouvelle? Ces maudits mages ont fait sauter Fortnite. Ouais, je m'en fiche. Oh, mais c'est fou, ils ont amélioré le ciel, on dirait. Parce qu'il y avait une mise à jour hein, quand je suis arrivé dessus. Une mise à jour de 31 MO, donc ouais, ils ont rajouté cette lune qui est gigantesque. Voilà, donc j'ai bien fait de couper le téléchargement parce qu'il durait 5 secondes, voire plus. Je dirais même une bonne quinzaine de secondes. Je vérifierai sur la vidéo. Il y a plein de gens qui parlent. Par contre, ce qui me dérange, c'est que c'est la nuit. Donc, faut avouer que le ciel est magnifique. Magnifique, cette lune aussi qui est super belle. Et bah, vous savez quoi? On va peut-être
Vous ne pouvez pas attendre tant qu'il y a des ennemis à proximité. Il y a des ennemis à proximité. Intéressant. C'est quoi? On voit pas grand chose. Je vais essayer de trouver un sort. Un sort de magie. Donc ça doit être dans illusion. Clairvoyance. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pouvoir, non, pas du tout. Bon, je vais aller dans tous, parce que je suis un peu n'importe quoi. Cicatrisation, clairvoyance, indice, non. Flamme, mordant, illumination. Voilà. Donc on va faire ça. Illumination, et... Non, ouais. D'accord, ça c'est une boule de lumière. Ah voilà, là on voit mieux, beaucoup mieux. C'est vrai qu'il fait, il fait extrêmement nuit, hein. On voit pas grand chose. Plein de gardes, donc vous voyez, ils sont très beaux, hein. Très beaux. Gardes de solitude. Ah bah voilà, donc ça c'est mon sort, hein, qui a donné ça. On va skipper et on va attendre que ce soit le jour. On va faire ça très vite. Voilà, bam, bam, bam. Allez, voilà, ça suffit. Il fait jour, c'est parfait. Donc ça, c'est une méthode, hein. Ça permet de faire beaucoup de choses dans Skyrim. Et franchement, je les remercie d'avoir permis de faire ça. Comment ça se fait que je puisse crocheter cette porte? Vous savez quoi, on n'a qu'à faire ça. On va rentrer illégalement chez des gens. Alors, le crochetage. Donc, faire tourner le crochet, oui, je sais comment on fait, merci. Donc, vous avez un crochet ici. Moi j'en ai... Ah j'en ai 5, j'en ai que 59 restants. Et donc ça va permettre de crocheter les portes et de voir... Ah donc là vous voyez sa force. Hop là. Et voilà, on a réussi à ouvrir la porte. On va rentrer. Ah, petit chargement. C'est bon. Et voilà, c'est parti. Donc là on est illégalement chez des gens, faut savoir, on peut peut-être se faire taper sur les doigts. Hein. Crâne de troll, coton sauvage, où il n'y a pas grand chose. Hein. Ah, une scie, comme c'est drôle. Oups, je voulais pas faire ça. Alors havre sec, qu'est-ce qu'il a dans son sang immortel? Non, c'est un livre. Tac tac tac, ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Y a même rien du tout. Ah, y a personne en haut, j'espère. Non, y a l'air d'avoir personne en tout cas. Ah, des gemmes. Non, bon, ça servait à rien de venir ici. Hein. Je suis venu ici total au hasard. Hein. C'était pour vous montrer surtout le crochetage qui est assez drôle. Franchement, je veux dire, c'est un des trucs auxquels je m'amuse le plus dans Skyrim. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On va aller dans une grotte, je pense, faire la quête là du contrat assassinat et aussi aller taper, hein, aller taper du monstre. Parce que, il faut avouer que le jeu est super beau, super beau. Mais on n'a pas que ça à faire. Donc, je vais prendre mon arc. Comment je fais pour ranger mon arme? Ah voilà, parfait, c'est ce que je voulais faire. Bon, on va encore se téléporter, je vais refaire une pause, totalement désolé. Et on va aller faire la quête, donc, carte. Donc là, toucher la prime, oui bon ça on le fera plus tard. Toucher la prime, ça c'est quoi ça? Entrer dans le labyrinthe, non, moi je vais aller faire le contrat. Où est-ce qu'il est le contrat? Je vois rien du tout, je suis désolé. Ah! Voilà, il est là. Formoyard, tuer Anis. Et ben voilà, je vais aller là et on se retrouve tout de suite. Je suis trop désolé. À tout de suite. Et voilà, on est de retour. Donc, il faut qu'on aille tuer le mec. Donc vous voyez, en haut, il y a un petit indicateur qui nous montre où il y a les quêtes, dans quelle direction faut aller et tout ça. Donc là, on voit bien qu'on est très proche du mec qu'on doit tuer. Ah bah. Oh, c'est des ennemis? Non, c'est des alliés ça.
Oui, c'est des alliés. Alors, entrons à l'intérieur. Oh, des sombrages. Bonjour. Hein? Oui. Ouais. Mais je peux vous aider? Donc, allons là-bas. Ah, donc il faut qu'on rentre à l'intérieur. D'accord. Alors, on va sortir notre arme. Notre hache d'ébonite. Voilà. On va peut-être enlever le sort. Oh là là, je me souviens plus du tout des touches. C'est assez grave. Ah voilà. Et donc on va prendre moindre barrière, qui est une sorte de bouclier magique en fait. Et on va rentrer dans le fort Moriar. J'espère que je vais pas avoir trop de difficultés à tuer les ennemis. Même si ça fait longtemps que j'ai joué, mais normalement je devrais plutôt me débrouiller. Le jeu est en mode normal pour moi, donc c'est pas très 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 difficile. Donc vous allez pouvoir observer la qualité des combats, la qualité du gameplay, du gameplay, de la jouabilité, tout ça. Donc, alors on va y aller en ninja. Tac tac tac. Personne. Ah, détecté. Détecté et caché. Ah mais c'est un son de brage. J'affronterai personnellement. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, oui d'accord, mon objectif est là-bas. Donc là-bas il y a un mec. Et il faut que. Bah je vais essayer de l'assassiner, ça serait plus classe, je pense. Est-ce que ça serait possible? Bon, on va essayer, on va sortir la dague. Et puis dans tous les cas, si ça marche pas. Ah, où est ma dague? Où est ma dague? Elle doit être plus haute. Ah, voilà. On va essayer de l'assassiner. Si ça marche, je serai fier de moi, je vous l'avoue. Alors. Ah bah voilà. On va fermer la porte. Bon, je sais pas du tout pourquoi on doit tuer cette femme, hein, mais. Hop là. Donc il faut savoir que quand je suis en mode ninja, comme ça, mon attaque est multiplié par 3, donc c'est à dire que je fais beaucoup 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 plus mal. Donc bon, on va se casser avant qu'il y ait quelqu'un qui voit qu'on l'ait tué. Hop là, voilà, c'est parfait. Et donc voilà, bon, on n'a pas vraiment vu de combat en fait. Je pensais qu'on allait rentrer dans une sorte de donjon. Oh, des casques sombrages. Ah oui, on peut prendre les trucs comme ça. Et voilà. Ah, il y a des blessés. Ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux, et il y avait garder l'œil ouvert en sous-titrage, d'accord. Bon, et ben on va aller se mettre dans une petite grotte peut-être et aller taper du monstre. Hein. Vous savez quoi? Ou peut-être on va juste se balader et tuer un petit géant en route. Est-ce que j'ai mon cheval? Tiens, c'est une bonne question ça. Ah non, je crois pas que j'ai mon cheval. Parce qu'on peut avoir un cheval dans Skyrim, hein, c'est bon. Par contre, ça coûte extrêmement cher au départ, mais c'est vrai que c'est assez sympa, je trouve. Donc on va aller faire un petit combat parce que je crois qu'on arrive près de la fin de la vidéo. Et j'ai pas envie que ce soit trop trop long pour vous. Surtout que j'ai fait pas mal de coupures et que c'est pas très très sympa. Au pire, vous savez quoi, il y a des chevaux ici, donc je vais peut-être en voler un, hein, tout simplement. Sauf s'ils vont me taper dessus, si je le prends. Ah ben non, voilà, chevaucher cheval. Ah par contre j'ai l'impression que les chevaux sont... Ah oui, j'ai appris qu'avec la nouvelle mise à jour, et oui, on peut se combattre depuis... On peut combattre depuis son cheval, mais il paraît que c'est hyper galère. Donc, Ah, d'accord. Gauche, droite. Et avec son arc, ça fait comment? Je sais, je vais essayer de sortir mon arc. Hop là. Et si je veux tirer, là, ça fait comment? Ça m'a pas l'air d'être très précis, tout ça. Alors, et bah vas-y, hein, Coco. Ah mais non, mince. Comment on fait pour qu'il aille plus vite, déjà? C'est Y? Non. Ah ben non, c'est court, c'est sprinté tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut trouver des petits géants à tuer dans cet endroit? Ah, bah vous voyez ce que je vois là-bas, il y a des mammouths. Et ben on va faire une petite chasse aux mammouths, hein, tant qu'à faire, au lieu de s'embêter à refaire une coupure et aller dans une grotte et passer un peu beaucoup de temps, on va tuer du mammouth. Donc, entre les deux yeux. Oh, il va pas apprécier à mon avis. Et son pote non plus d'ailleurs. Et eh ben on va faire un petit combat à cheval comme ça, hein, sur son mammouth. C'est bizarre, il ne charge pas. Ah, lui par contre il charge. Bah courons, courons, cours, cours. Non mais cours. Oui voilà, c'est mieux.
Il m'a l'air de courir assez vite quand même. Oula. Ah oui, c'est pas du tout pratique. Et si je fais comme ça là? Ah oui, d'accord, ça marche pas du tout. C'est pas craqué comme les jeux, faut bien se mettre en face. C'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, est-ce que je l'ai touché là? J'ai pas l'air d'avoir touché. Ah là, je l'ai touché par contre. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le combat n'est pas palpitant là. Aïe. Ah bah ça va, ils font pas très très mal. Ah mais il y a des géants là-bas. Ouh là là. Ah, le cheval a pas apprécié, je crois. Et bah voilà, je vous ai donné une impression. Oh là, mon cheval est mort, d'accord. Donc après avoir tué mon cheval, on va peut-être passer au combat. Oh, je crois qu'il y a un géant qui se ramène. Ce qui pourrait être problématique. Oh là 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 là, je prends très très cher. Hop là. Stop. Voilà, donc on peut arrêter tout d'un coup. Hein. Ça c'est un peu cheaté. On va sortir une petite potion de soin. Deux petites potions de soin. Et parasortis. Et voilà. Et on est parti. Ah, donc je leur fais pas très très mal. Hein. Oh putain, il y a un géant qui se ramène. Ça va être problématique. Hop là, il y a un mammouth down. Par contre, il y a son poteau qui se ramène et il y a un géant surtout. Et ça par contre, c'est problématique. Parce que les géants font très 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 mal. Et ça, vu que ça fait longtemps que je me suis pas combattu, ils pourraient en faire assez mal. Oh mince, il refait nuit par contre. On a pris une petite potion. On va mettre l'épée. Et à l'attaque. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu ma barre de vie partir, mais les géants font assez mal. Cours. Donc on va se soigner. Et dans ce combat épique lors du coucher du soleil. Donc là j'ai plus du tout de vie, comme vous pouvez le voir. Donc hop, on va prendre une potion. Parce que j'ai pas envie de mourir quand même dès le départ, ça serait un peu chiant, surtout que je voulais montrer l'intensité du combat. Parce que là, vous voyez, je suis quand même en normal, niveau 40, en train d'affronter des géants et des mammouths. Et je me fais démonter. Ah, voilà, bah, j'ai gagné un niveau dans une compétence. Ah oui, c'est vrai, je voulais pas trop montrer les compétences. Je les montrerai peut-être à la fin de la vidéo, si j'arrive. Ok, et le géant est mort. C'est parfait. Oulala, là là, il charge. Aïe. Je vais essayer de le faire tourner en bourrique. Ouh, et bah il m'a eu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il m'a eu en plein dedans. Et donc ça c'est pas super cool. Ah non, si, on va revenir au moment où j'étais sorti, je crois. Non, plutôt rentré dans le bâtiment de tout à l'heure parce qu'il y a des sauvegardes auto. Ouf, heureusement. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme Rage hein, au niveau des sauvegardes, comme je l'avais prédit dans le. Ouais, voilà, donc ça reprend là où quand j'étais sorti. Donc vous savez quoi, je vais profiter de ce moment pour vous montrer un peu l'arbre des compétences. Donc destruction, guérison, altération, enchantement, forgeage, armure lourde, paradoxe, là. Il y en a énormément. Donc crochetage niveau 69. Donc vous voyez, il y a des arbres comme ça. Et en fonction votre niveau de crochetage va augmenter en fonction du nombre de crochetages que vous faites, évidemment, c'est assez logique. En fonction de l'expérience que vous qu'on acquit. Et ensuite, vous allez, grâce à ces niveaux, pouvoir déverrouiller par exemple des choses si vous avez gagné un niveau à côté. Donc là, par exemple, je suis niveau 40. Si je passe niveau 41, je gagne une compétence. Je peux passer verrou apprenti pour. Par exemple, les serrures du niveau apprenti sont maintenant plus faciles à crocheter. Voilà. Bon, c'est pas très. Mince, comment je fais pour revenir? Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, on retourne. Donc, du coup, c'est pas très efficace. Donc, par exemple, par contre, si on regarde bon, le forgeage, évidemment. Donc, moi, en une main, où je suis niveau 88, j'ai augmenté plein de choses. Donc, par exemple, le dernier chose que j'ai augmenté, ça devait être ça. Où j'avais acquis l'expérience jusqu'au 70, j'ai pu augmenter ça, et c'est-à-dire que les attaques de puissance à deux mains infligent 50% de dégâts supplémentaires.
ce qui est assez considérable, si je puis me permettre. Donc voilà, je vous ai montré rapidement l'arbre des compétences. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et on va se quitter sur l'image de cette magnifique montagne. À la prochaine, ciao.